Bonjour, je suis Jean-Marie Villain, je suis le maire de Viry-Châtillon, élu en 2014 une première fois, élu au premier tour lors des élections municipales de 2020 également, avec près de 65%. Et je suis fier d'avoir été choisi par Valérie Pécresse pour participer avec elle pour le deuxième mandat à la région Île-de-France. Je suis 13e sur la liste qui est menée dans le département de l'Essonne par Romain Reda, mon ami député de l'Essonne. On a beaucoup de chance parce qu'on a une présidente qui est particulièrement dynamique et réactive, qui a une capacité de travail très importante et qui a montré sur tout un tas de sujets sa capacité justement à trouver des solutions pour les franciliens, que ce soit dans le domaine des transports avec un vice-président Stéphane Baudet très, très actif, avec la santé bien sûr, les lycées, mais aussi la sécurité. Je sais que je suis très sensible avec les événements qui se sont déroulés à Viry-Châtillon sur ce sujet. Le bouclier sécurité qui a été mis en place par Valérie Pécresse lors du premier mandat a permis justement à une ville comme Viry-Châtillon de pouvoir s'équiper d'une manière un petit peu plus rapide avec des financements complémentaires de la région Île-de-France, en particulier pour le matériel mis à disposition de notre police municipale ou encore la réalisation et la réhabilitation d'un poste de police municipale à la hauteur des enjeux, en tout cas de la volonté que nous avons, que notre police municipale soit réellement une police municipale efficace. Très attaché à Viry-Châtillon, j'y suis né, et avec les lacs de Viry-Châtillon qui sont un des fleurons de notre région Île-de-France, il est certain que je préfère faire le tour des lacs de Viry-Châtillon, découvrir les cygnes qui se promènent avec leurs petits, plutôt que de me promener dans la grisaille parisienne parfois.